bonsoir. Je suis aujourd'hui à la télé des vies. On est le 20 septembre. Je suis venu rendre grâce pour le témoignage, pour les paroles de connaissance de la sœur qui est sortie le 6 septembre. Ma femme, elle s'appelle Mimi. Il y avait une parole de connaissance que l'apôtre a fait sortir au nom de Mimi, qu'elle va recevoir une enveloppe chez elle. Dieu est bon. Mimi, le Seigneur me parle de Mimi. C'est toi, Mimi. On acclame le Seigneur, viens. Quand Dieu vous parle comme ça, il faut la foi. Mimi, comment vas-tu? Ça va? On s'est déjà vu? Non. Jamais. Jamais. C'est la première fois que tu viens. Donne-moi ta main. Oh, Dieu est bon. Comment tu nous as connus? Par mon mari. Par ton mari. Il est où? Ok. Viens. Je ne t'ai jamais vu. Hein? Non, jamais. Voilà. Personne ne m'a parlé d'elle, si ce n'est que le Seigneur. Mais il y a quelque chose que Dieu me dit pour elle, que je dois dire à quoi, hein? Il faut que ce mari soit à côté avant que je le dise cela. Dis à ton voisin, Dieu parle. Ok. Tu vas recevoir un courrier à la poste. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une bonne réponse pour toi. Et ensuite, tant. Encore des enfants là qui arrivent là. Parce que c'est la foi d'Abraham au nom de Yeshua. Et vous allez servir le Seigneur. Hein? Au nom de Yeshua. Dieu va vous déplacer. Hein? Il va vous déplacer. Il va vous amener loin. Et vous allez le servir pleinement. Ton nom est dans le livre de vie. C'est ce que le Seigneur te dit. Il te connaît. Il te connaît. Tu es venu de loin. Et Dieu te dit, c'est parce que je te connais que j'ai voulu que tu viennes pour te montrer, te dire à quel point je te connais. J'accomplis tes promesses. Il y a un courrier qui arrive. La bonne réponse. Oh, alléluia. Dieu t'appelle en même temps l'européenne. C'est comme ça qu'il t'appelle. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Et Dieu te dit, je veux confondre tes ennemis, garde le silence, persévère davantage de la sanctification, de la sainteté, et il te guérit, il restaure ta famille. Là où il y a eu des problèmes dans ta famille, il voit combien tu pleures pour ta famille, combien tu pleures pour la délivrance de ta famille, pour les guérisons. Dieu va guérir les gens malades, Dieu va guérir les... Il va briser la puissance de la sorcellerie dans ta famille. Oh, Jesus Christ. Oh, Dieu de gloire. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. C'est beau, c'est magnifique. Voilà. Dieu existe. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique, frères et sœurs. Ben, comme on était en vacances ici à Paris, on a passé le week-end ici à Évry et en retournant chez nous le lundi de la semaine d'après, on a trouvé dans notre boîte aux lettres, quand on est retourné, on est arrivé à 14h chez nous. En arrivant, je me suis présenté devant ma boîte aux lettres pour voir ce qui était comme courrier. Et comme Dieu nous a dit, on est tombé tout juste avec une seule lettre, c'était la lettre de Mimi, au nom de Madame Mimi Ndombele Nzomba.
Et c'était la première lettre pour elle parce qu'elle est arrivée de l'Afrique, ça faisait seulement un mois. Ton nom est dans le livre de vie. C'est ce que le Seigneur te dit. Il te connaît. Il te connaît. Amen. Tu es venu de loin. Et Dieu te dit, c'est parce que je te connais que j'ai voulu que tu viennes pour te montrer, te dire à quel point je te connais. J'accomplis tes promesses. Il y a un courrier qui arrive. La bonne réponse. Oh, alléluia. Dieu t'appelle en même temps l'européenne. C'est comme ça qu'il t'appelle au nom de Yeshua. Donc, mon frère, donc, comme on l'a vu, ouais. Donc ta femme, c'était la première fois qu'elle assistait à la réunion de réveil ici à Paris, à Ivry. Oui, c'est la première fois pour elle. Ouais. D'accord. Donc elle venait juste d'arriver d'Afrique. Oui. D'accord. Donc elle ne connaissait même pas ce programme, elle ne connaissait pas du tout ce qui s'y passait. Non, non, elle ne connaissait rien du tout. C'est moi qui l'ai amenée. Ça faisait déjà à peu près 3 semaines et demie qu'elle est en Belgique. Alors, comme on passait ici en France, on dit, bon, on peut aller assister à une réunion de prière à Évry. Elle a dit, pas de problème. Et on s'est présenté. Pour elle, c'était la première fois. D'accord. Ouais. Et donc là, ensuite, il y a eu Mimi, le prénom qui est sorti. Oui. D'accord. Et donc, elle va recevoir maintenant cette parole. Oui. Et alors qu'elle était en France depuis vraiment, depuis peu de temps et qu'elle ne connaissait même pas. Non, elle ne connaissait même pas. Wow. Qu'on ne sait même pas, c'est moi qui l'ai invité. Non, on va aller faire un tour à Évry le samedi parce qu'il y a une réunion de prière. C'est pour cela. Et quand elle a entendu son prénom, quelle réaction elle a eue? Mimi. Le Seigneur me parle de Mimi. C'est toi, Mimi? On acclame le Seigneur, viens. Elle a dit, mais moi c'est la première fois que je suis venu ici, mais elle a hésité, elle attendait qu'une autre Mimi sorte, mais il n'y avait pas une autre Mimi, c'était seulement elle, Mimi. Elle était choquée, elle a dit, mais Seigneur me connaît. Wow. Elle était vraiment choquée. Et elle était debout, et elle a reçu sa parole, tout ça. Ok. Tu vas recevoir un courrier à la poste, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une bonne réponse. Et on a trouvé une lettre, et la seule lettre aussi qui était dans la boîte aux lettres, c'était cette lettre-là, la lettre, une lettre au nom de Ndomba Ndombe le Mimi. Tu es venu de loin, et Dieu te dit, c'est parce que je te connais que j'ai voulu que tu viennes pour te montrer, te dire à quel point je te connais. J'accomplis tes promesses. Il y a un courrier qui arrive, la bonne réponse, oh alléluia. Dieu t'appelle en même temps l'européenne. C'est comme ça qu'il t'appelle au nom de Yeshua. C'était une invitation, soi-disant, de se présenter à la commune, donc à la mairie, pour recevoir le papier d'identité. Wow. Ouais, parce qu'elle venait de l'Afrique. Elle a fait seulement un mois seulement en Belgique. Wow. Et on lui a convoqué pour aller chercher ses papiers d'identité pour l'établissement en Belgique. Donc la parole s'est accomplie. C'est accompli. Oui, on est vraiment choqués. Dieu est fidèle, et c'est du tic au tac. Et quelle a été sa réaction, elle, justement? Elle était choquée, elle dit, mais c'est qu'on m'a dit ça, et ça s'est réalisé. Dieu est vraiment vivant. Et en plus, elle dit, Dieu me connaît. Amen. Donc, elle a dit, on sert vraiment un vrai Dieu. Amen. Et ensuite, tant. Wouh! Dieu existe, hein? Alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique, frères et sœurs. Gloire à Jésus, merci vraiment beaucoup. On est vraiment dans une bonne voie. Encore. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.